Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclusia, j'ai fait une petite bourde. C'est que j'ai été un petit peu overzélé en achetant des améliorations pour mon équipe principale. Du coup, je me suis retrouvé sans argent pour acheter des provisions, ce qui veut dire que ça aurait été un petit peu suicidaire d'aller faire un donjon, d'aller faire un donjon de niveau 3 avec mon équipe principale sans provision. Du coup, à la place, je me suis dit, je vais prendre les nouvelles recrues et leur faire faire un baptême du feu pour voir un petit peu ce qu'ils valent. Et du coup, ouais, on va vouloir se débarrasser aussi vite que possible de toutes ces saletés de bestioles ici. En commençant par lui ici, qu'on va saigner comme un porc. Et normalement, ouais, prochain tour, ils meurent tous. Waouh, d'accord. D'accord, très bien. Tu veux jouer comme ça? On va jouer comme ça. Donc oui, disais-je. Un petit peu... Un run du schnapps. Parce que, comme j'ai dit, je me suis préparé à la pisse et du coup, ben... Je préfère faire un suicide run avec ces troupes-là, plutôt que de... Ouais, je préfère faire un run du schnapps avec ces troupes-là, plutôt que de risquer la vie d'une de mes équipes principales. Et Noxious Blast. Ah, j'ai réussi... Waouh! Attends, t'es sérieux? Ça fait autant de dégâts maintenant? Waouh! Eh, mais ça a été vachement buffé, le Noxious Blast. Et la Plague Grenade aussi. Et le stun... Ouais, non, le stun maintenant fait 0 dégâts. Donc... Mais par contre, il a 100% de chance de stun. Ça, c'est plutôt appréciable. Ah, mais le Plague Doctor, il a été changé, mais... Un truc de délicieux, quoi. Ok, d'accord, je vois. Et sinon, j'ai un... apparemment pour apparemment j'ai un truc pour mélanger la position des gens, faut croire. Donc elle m'intéresse bien, il m'intéresse bien ce run avec la team 2, très franchement, enfin avec la team 2 plutôt, avec les bleus. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Altel Eldritch, une statuette étrange et non et une des non naturelle qui a l'air d'être un objet de culte malsain. Voyons voir. C'est purement décoratif, d'accord. Ok, et sinon le fait que ce soit un tentacule de pierre qui saigne, ça vous inquiète pas? Non? Bon, pas grave. Continuons alors, sans nous inquiéter de ça. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Et il fait vachement mal ce saignement. Il fait super super mal. Non, je ne voulais pas rentrer dans la pièce. Je veux aller là-bas, pas rentrer dans la pièce d'où je viens, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça? T'as pas à avoir peur. On va s'en tirer. Ou alors tu vas mourir, mais. Même si tu meurs, je veux dire, c'est pas la peine de s'en inquiéter maintenant. Tout le monde meurt un jour, hein, donc pourquoi pas aujourd'hui? On va voir, ça c'est les trucs qui sont toxiques, je préfère pas y toucher. En tout cas, pas pour l'instant. Beaucoup de pièges pour l'instant dans ce donjon, et pas grand-chose d'autre que des pièges en fait. Ah, bien. Et en plus, on les a pris par surprise. Et c'est super noir, du coup, ça veut dire. On va les violenter très très fort. Primo, toi, tu dégages. Sing. Oui, ça a piqué un tout petit peu, oui. Donc du coup, c'est quoi vos noms en fait à vous? Miron, Maynette, Eus et Rord. Maynette, ça me fait penser à quelque chose, je sais plus quoi, mais bon, voyons voir un petit peu ce que c'est que cette attaque-là. Ok, 8-16 par rapport à cette... Oh, c'est... Ça m'a pas vraiment l'air d'être si puissant que ça par rapport à l'attaque de base, mais je vais le prendre. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais le... Je fais grande différence.
Ok, d'accord. Oui, non, je veux bien le croire que tu rates jamais tes trucs. Parce que là, pour l'instant, c'est... Là, pour l'instant, messieurs, vous nous faites du viol pur et simple. Et j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand j'envoie une équipe au casse-pipe, qui se retrouve en fait à être des vrais héros. Je m'en plains pas, hein. Je ne m'en plains pas du tout. C'est juste que ça m'étonnera toujours. Oh, et j'ai réussi à trouver un machin. Ok, du coup, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière et je vais aller dire bonjour à ce truc ici en mettant des herbes médicinales. Et what? Plus simple. Ok. D'accord, je pensais que ça allait me donner de la nourriture, mais ça marche aussi. Je me plains pas d'un buff de 30% de dégâts gratuits. Surtout, est-ce que ça dure pendant tout le donjon? Parce que si ça dure pendant tout le donjon, oui, carrément, oui. Bon, vous, par contre, je vous déteste un peu comme ennemi, donc... bonne nuit. Parfait. Et toi? Pas bonne nuit, parce que tu as esquivé mon attaque. Et tu as réussi à survivre. Sérieusement, bonne nuit, voilà. Prends ma, mon... Prends la poudre du marchand de sable. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une autre pierre sacrificielle. Alors, si c'est des trucs barbares, est-ce que la Hélion peut faire quelque chose ici? Non, on va juste être dérangé. D'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, grosso modo, ce qui vient de se passer... Ah, enfin, j'imagine quand ils disaient barbare, ils n'entendaient pas barbare dans le sens Hélion, mais barbare dans le sens... Mais donc, en gros, ce qui vient de se passer... Oh, la... Ah, non, il n'y a plus aucun espoir, regardez ce qu'ils font aux gens. Du coup, elle est passée en mode berserker. Bien. Parfait. Génial, c'est ce qui nous manquait. Non, en fait, j'aimerais plutôt passer par là, je crois. Au final, même si ça a été une conséquence négative, on va dire, parce que oui, bah, malheureusement, on va mourir de faim. Pas vraiment le choix, malheureusement. Mais donc, ouais, comme je disais... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. Si je disais que même si ça a été, entre parenthèses, une mauvaise... Enfin, un mauvais résultat... J'ai un petit peu peur là, je... Mais ouais, même si ça a été, entre guillemets, un mauvais résultat... Bon, tu feras pas de dégâts de toute façon, donc... Ouais. Même si ça a été un mauvais résultat, c'est plutôt un... Je suis plutôt content du résultat que ça a eu sur... mon Highwayman. Parce que du coup, pas sur mon Iron Man, sur Roard, étant donné que du coup, elle a... Elle est passée en mode héroïque. Par contre, ça va peut-être être le combat qui va me coûter cher. Peut-être. Bon, celui-là, il va mourir du Blight au prochain tour. Et lui, du coup... D'accord, ça marche. Je veux dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça a le meilleur résultat escompté. Donc on va dire que c'est cool. Et du coup, toi, saigne comme le porc que tu es. Je dis saigne comme le porc que tu es. J'ai dit, saigne comme le porc que tu es. Merci beaucoup. Bien, des herbes médicinales. Plus 10% de soins reçus et moins de points de vie. Pour l'épreuve. Bien, prenons tout ça. Ouvrons le coffre. Qui contient des seaux et du lore. Et on va dormir. Un mangeant de moitié de nourriture, malheureusement. Ok, bon. Bien, est-ce qu'on a moyen de soigner quelqu'un? J'ai peur qu'on n'ait pas moyen de soigner quelqu'un.
On peut juste le soigner comme ça. C'est déjà ça. Ça fait perdre le... Ça a enlevé le saignement. Enfin, pas le saignement, mais le... La porte de la mort. Donc, c'est déjà ça. Combien ça prend de faire les buffs ici? Ça prend 5. Je vais les faire. Et avec les points qui nous restent... On va tenter de choper... Ouais, je vais dire pourquoi pas, même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et voyons voir si on peut choper de la nourriture. Oui, parfait. Génial. Parfait. Bien, est-ce qu'on a une capacité qui coûte un non? Donc ça veut dire qu'on va dormir. Ah, mais non, vous allez vous en sortir. Vous en faites pas, ayez confiance. Ou pas. En fait, ou pas. Parce que c'était sans compter sur l'attaque de Monsieur le Porc et ses trois petits cochons. Aïe aïe ouille. Aïe aïe ouille. Donc en fait, il a deux chances de mourir à tous les tours. Magnifique. Et il est mort. Aïe. Bien. Bien, maintenant que le ton est posé. Maintenant que le ton est posé, je pense qu'il serait de bon ton de démonter cette saleté de verre parce qu'il fait super mal et en plus il met du stress. Toi, on te tue. Pas tout de suite malheureusement, mais ça ne serait tardé. Deviens héroïque, s'il te plaît. Non, il est irrationnel. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Vous m'avez insulté maintenant. Nous prendrons un duel au lever du jour. Sérieusement. Est-ce que vous pourriez être sérieux pendant 2 petites secondes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ou pas? Stunner? Bien. Au moins, on ne mourra pas tout de suite. Pourquoi ça le fait stresser? Il vient de te dire bon boulot. Tu stresses quand les gens te font des compliments? D'accord, ben... Ok, bon. Voyons voir. Est-ce qu'on a... Comment dire? Non, je pense qu'on va arrêter les... On va arrêter les pots cassés ici. On va arrêter les frais ici. On a récupéré 3000 d'or, c'est déjà pas mal. Et mine de rien, on a récupéré quand même un joli petit paquet de... Un joli petit paquet de... Quel est le mot que je cherche? De sceaux, voilà. Voilà le mot que je cherchais. Du coup, on... Qu'est-ce que je vais faire de vous, en fait? Parce que... En vérité, je pourrais juste acheter quelqu'un d'autre dans le wagon de change, donc... Oh, il y a Roger! Il y a Roger! Pardon, excusez-moi. J'ai été, comme qui dirait... J'ai été, comme qui dirait, interloqué par le nom de ce monsieur. Moi, rien que là, je pourrais acheter un autre Highwayman, donc... Est-ce que c'est vraiment intéressant que je les soigne? Je pense que non. Je pense que non. Tu vas... charter. Toi aussi, tu vas charter. Et... Toi aussi tu vas jarter. Quoique... Est-ce que y a pas de meilleur pire de ton pour l'instant? En plus, elle a un nom que j'apprécie. Même si je me souviens plus, c'est dans quoi déjà Lady Mains? Ah, mais si, si, je me souviens, c'est dans Xenoblade. Bien, donc du coup, ben, on va te renommer
Le... Ah oui, excusez-moi. Lady Mayness. Bien. Très très bien, et comme je t'ai donné un nom, tu resteras avec nous malgré ta situation actuelle. Et... On va partir en expédition de taille moyenne, ça dépend, est-ce qu'il y en a une petite? Ouais, là, il y en a une petite, ok. Bah, on va aller là-dedans, histoire de se donner un petit peu... histoire de se donner un petit peu un avant-goût du niveau moyen, voir si c'est si dangereux que ça. Du coup, nous allons prendre Crève-Cœur, nous allons prendre Dismas, Dismas que je vais mettre à la place de Crève-Cœur plutôt, nous allons prendre Quincy, et nous allons prendre... est-ce que je prends Pico? Est-ce que je prends Pico? Est-ce que je prends Pico? Je vais prendre Pico. Enfin, je prends Pico, mais ça dépend. Qu'est-ce que je peux prendre, en fait, avec Pico? Je pense que 90% du temps, je préférerais stunner que de mettre ça, donc ça, c'est pas intéressant. Et... Ça, ça pourrait être utile, mais est-ce que j'en veux vraiment? Je ne crois pas. On va prendre ça pour quand c'est un ennemi qu'on peut pas blight. Voilà, ça me semble bien. Ouais, ça me semble bien. Du coup, Quincy, tu vas venir ici. Bien. Est-ce que tes skills ont été changés, toi? Juste une attaque de mêlée, ton attaque qui te soigne toi-même, ton attaque qui stun. Enlève le dodge de l'ennemi, a plus de chances de crit, et ça, c'est... réduit les dégâts et la précision de la cible, ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être très intéressant. Et du coup, on va mettre Pico ici. Bien, bien, bien. Donc, nous allons prendre 8 de nourriture. Ouais, 8 de nourriture, ça me paraît bien. 2 clés, une pelle. Une eau bénite. Et un bondage, pourquoi pas. Ouais, ça me semble bien. Bien. Bien, 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 bien. Avançons. Avançons, avançons. Voyons voir quelle horreur nous attendent dans ces ruines de deuxième niveau. Ça m'a déjà l'air un petit peu plus grand et un petit peu plus labyrinthique que sur les trucs de base. Et la raison pour laquelle, au fait, j'ai mis... Oh, une carte, mais c'est génial, ça. C'est génial, et j'ai absolument aucune raison d'aller là-bas, parce qu'il n'y a aucun événement, rien du tout. Ça me fait économiser du temps. Mais donc, ouais, la raison pour laquelle j'ai mis Dismas en première ligne, c'est parce que j'ai changé un petit peu ses skills. Je lui ai mis l'avancée du dueliste et le point blank shot. Parce que je me suis dit que plus on avançait et plus je préférais faire des dégâts mono-cibles plutôt que des attaques de zone. Et vu la puissance de point blank shot, j'ai bien envie de la garder, enfin de le prendre pour voir ce que ça fait. Ça, je peux utiliser de l'eau bénite dessus, il me semble. Oui, parfait. Parfait, parfait. Et comme je disais, oui, vu que... Il n'y a que des salles vides dans ce donjon. Ma parole. Voyons voir ce qu'il y a ici. Du loot. Superbe. Donc on va revenir en arrière et aller faire cette salle-là, parce que là, il y a un combat. Et c'est vraiment, c'est surtout les combats qui m'intéressent dans ce... qui vont m'intéresser dans ce donjon-là. Étant donné que... Ouais, mais vous avez que des trucs de... Ouais, mais vous êtes tellement plein de trucs positifs, vous! Ouais, du coup, Dismas, ouvre-nous ce... Non, ils sont inintéressants. Ça m'étonne pas. Mais ouais, c'est surtout de faire des combats qui m'intéressent, là, pour voir un petit peu le niveau des bestioles dans ce donjon. Il me semble que votre armure n'était pas de cette couleur-là avant. Si? Peut-être que je me trompe. En tout cas, ils ont tous pratiquement 50 de résist à tout. Ils ont tous de l'esquive et ils ont plus de PV. Bien. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle et ça m'inquiète un tout petit peu.
J'allais dire c'était de moi celui-ci, mais apparemment non. Bien. Donc du coup, point blank shot. Bam. Waouh. D'accord. C'était pas mal. Je te félicite. C'était un très 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 joli tir. Je crois que ça va me plaire de rester avec ce setup là sur Dismas. Le Blanket Fire qui fait toujours aussi mal, malheureusement. Toi, je t'empoisonne. Parfait. Moi aussi, on va faire l'avancée du Ulysse comme ça. Qui n'aura pas réussi à le finir. Attaque de zone. Et toi? Non, tu pourrais esquiver l'attaque aussi, ça marche, j'imagine. Le tir et le tir rusher qui va pas faire grand chose. Est-ce que vous pourriez arrêter d'éviter toutes les attaques de Quincy? Je veux dire, elle a pas de... Voilà, merci, je me disais bien aussi. Elle a pas de truc qui lui baisse la précision, c'est bon, hein? Bien. Et waouh, tellement d'or. Tellement, tellement d'or. Ce run est déjà... Ce run est déjà rentabilisé. Et non, ce n'est pas ce que je voulais faire, je voulais aller dans cette direction. Là, par contre, je regrette d'avoir utilisé mon eau bénite sur le confessionnal au début. Oui, manger. C'est pour ça que j'ai pris de la nourriture. Je regrette d'avoir utilisé mon eau bénite sur le confessionnal du début, parce que là, j'aurais pu l'utiliser sur les cendres ici pour avoir un bonus. Qui sait, peut-être qu'on va en récupérer. En tout cas, déjà, il y a un trésor par là et des ennemis ici. Peut-être que l'un d'eux va nous laisser des... Ah oui, voir, ils ont 120% de résist au bleed, mais pas de résist au stun. Du coup, faisons-nous plaisir. Ceux-là, par contre, ils sont toujours aussi faibles. Ils ont un petit peu plus de points... Aïe. Comme je disais, ils ont un petit peu plus de points de vie, mais à part ça... Buff-toi, plutôt. Buff-toi, parce que j'ai pas vraiment envie que tu gâches un point blank shot sur un petit ennemi comme ça. Et toi, je peux pas te faire saigner, je peux te blight. Tu y as résisté, malheureusement. Est-ce que je peux l'accumuler, ce buff-là? Je peux. Ho ho ho. J'ai l'impression que je peux cumuler tous les buffs du jeu. Ce qui est pas très intéressant dans le contexte actuel, je vous l'accorde. Étant donné qu'ils vont disparaître avant la prochaine salle, mais hey, au moins c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une info bonne à savoir. Bien. Bien, bien, bien. Ouh, toi tu es nouveau. Commandant Doss. Tu as de l'esquive, ce qui m'étonne un peu vu ta taille. Tu fais deux cases. Et ça, à part ça, t'as des résistances normales pour une bestiole de ton type. Bien. Est-ce que je peux en assommer un de ces deux-là? Oui, donc essayons d'assommer celui-ci. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. C'est la bonne nouvelle du jour, ça. Bah, du coup, on va entamer celui-ci. Ou pas. Qu'est-ce que t'as à rater tous tes trucs, Quincy? Ton pèlerinage pour te trouver toi... Aïe aïe aïe. Quarelle qui fait encore plus mal, comme si c'était possible. Du coup, toi, est-ce que je vais pouvoir te faire passer à l'arrière? Non, t'as résisté. C'est pas grave. C'est pas grave. On va juste te bourriner la face jusqu'à ce que mort s'en suive. Et vous? Est-ce que je peux vous stun? Oui! Quoi? Ça peut stun en plus ce truc? Oh god. Oh god. Il faut qu'on défonce cette chose. Holy shit. Il faut qu'on défonce ce truc, s'il vous plaît. Il faut qu'on le défonce. Mais genre tellement qu'on le défonce. Surtout qu'en plus, je peux pas atteindre les connards qui sont derrière tant que je me suis pas occupé de lui.
c'est un autre problème, ça aussi. Aïe. Allez, meurs. Bien. Une bonne chose de faite. Une très bonne chose de faite. Bon, ça Bayonet Jab qui fait des dégâts. Ils sont sérieux, là? Non, on va prendre une attaque qui est censée ne pas faire de dégâts et lui faire faire des dégâts. Parce que... C'est intelligent comme chose. Alors, pour eux, en l'occurrence, c'est très intelligent. C'est pour moi que c'est pas une très très bonne nouvelle. Et si je pouvais le blight à nouveau avant son tour, ce serait génial. Oui. Et... Ah, 2 points de vie, sérieusement. Sérieusement. Ok, donc... Les donjons de niveau moyen... Définitivement pas du... C'est pas à prendre à la légère. C'est pas du tout à prendre à la légère. Mais les récompenses, par contre, les récompenses... Les récompenses sont énormes. Mais je peux pas m'empêcher de penser que je chope les mêmes récompenses sur un... Ouh. 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 Alors, je pense que ça va de soi que j'aime pas vraiment ce que je vois là. J'aime pas du tout ce que je vois même. Ok, c'est une bestiole qui stresse. Enfin, j'imagine qu'elle ne stresse que à partir du moment où elle est à l'arrière. Ne me le stun pas, s'il te plaît. Non, bon, ok. Crève-cœur, qui est encore une fois le soldat de notre cœur. Donc toi, tu as des résistances à peu près à tout. Voyons voir si je peux t'empoisonner. Et voyons voir si tu peux te prendre ma bite. Je vais être honnête, j'avais espéré tomber sur un crit. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ok, qu'est-ce que tu vas faire ce tour-ci? Encore? Est-ce que c'est normal que tu ne fasses que crier? Je veux dire, t'as des griffes, t'es juste en face de nous. Est-ce que ce serait pas le moment de les utiliser? Pas que je me plaigne. Non, je suis très content d'avoir un ennemi qui ne fait pas de dégâts. Même si... Oh, ça y est, ça commence. Oh, waouh. Waouh. Ouais, ça rigole plus les donjons de niveau moyen. Ça rigole plus du tout. Bam! Prends-toi un bastos. Ouais, donc... Les donjons de niveau 3, pas vraiment ma tasse de thé. Ça fait un petit peu très peur, les trucs sur lesquels on tombe. Est-ce que ça, je peux... Bon. Non. Maladie mortelle. Creeping cough, c'est quoi? Il me semble que c'est pas un truc qui est bien, ça. 5 de précision, 5 de vitesse. Non, 2 d'esquive, 1 de vitesse. Pas aussi... mauvais que ça pourrait l'être, même si je suis d'accord que c'est très mauvais comme truc. Ok, donc... Oh mais non, quoi, pas 4 comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Surtout s'ils se mettent à stunlock toute la team. Non, c'est bon, j'ai l'impression que ça tient. Pas grave si vous me stunnez Quincy. Elle a résisté, c'est tout aussi bien. Ok, donc... Vous faites oxyre. Tu te fais oxyre ou pas, parce que tu as survécu à 2 points de vie, parce que c'est drôle, la vie. Juste faire celui-ci. Qu'il ne l'avait pas attaqué. Ou alors est-ce qu'il avait attaqué? Je ne sais plus.
Et j'ai pas envie de te donner une chance d'attaquer. Non, pas du tout envie de lui donner une chance d'attaquer ce truc-là. Ouais, au moins on a plein de trésors, c'est déjà la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que si on a des problèmes et on se retrouve à vouloir fuir, on pourra sans que ce soit handicapant. Alors, qui ici s'occupe bien des pièges, Dismas? Bon boulot, mon copain. Plus qu'à se diriger vers cette pièce-là. J'ai pas déjà exploré. Ah oui, non, parce que je suis pas allé dans la salle tout en bas, donc évidemment. Il me reste au moins une salle à explorer. Bien. Tu prends des dégâts de stress. Blablabla. Évidemment. Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on va nous attendre? Juste des squelettes. Rien de bien méchant. Donc ça va, on va s'en tirer sans trop d'égratignure. Bam! Ah, mais non, quoi. S'il vous plaît, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, il y a tricherie, là. Bon, c'est pas grave, en même temps, ils ont rien pu faire. Et nous en avons fini avec ce donjon. Et ça, c'est les ruines. Ça, dites-vous que c'est rien que les ruines. Imaginez à quel point ça va être monstrueux une fois qu'on sera arrivé au... Une fois qu'on sera arrivé au... Oh non, pas un autre kleptomaniaque. Oui, toi aussi, Crève-Cœur, il va falloir te soigner de ça. Bon, bah je sais qu'il va faire son prochain passage au sanitarium, hein. Tout de suite. Un crève-cœur et on lui enlève le... What? Mais crève-cœur, t'avais pas chopé une maladie vénère? Bon, d'accord, ok, je ne m'en plains pas. Est-ce que j'ai quelque chose que... Non, rien à lui faire enlever. Je sais toujours pas ce que ça fait, claustrophobe, d'ailleurs, au fait. J'ai toujours pas eu d'occasion... sur lesquels je pouvais voir, et on va t'enlever la kleptomanie. Voilà, voilà. Ouais, toujours pas eu d'occasion sur laquelle voir ce que ça faisait. Et si possible, quoique... Est-ce que c'est considéré comme... Oui, c'est considéré comme à distance, ça. Ok. Donc le moins 3% de chance de crit sur les attaques à distance, j'aimerais bien qu'on l'enlève. Merci beaucoup. Bien. Bien, 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 bien. Rappel, j'aimerais bien voir un truc ici. Est-ce que je peux améliorer... Non, je peux pas améliorer les compétences de camp. Ok, c'est bien ce que je pensais. On va voir, est-ce qu'on a des... C'est le cirque ambulant, en fait, qui vient d'arriver. Avec le magicien et la troupe des quatre clowns. Non, merci. On va pas s'occuper de ça. Par contre, on a de quoi améliorer la taverne, pour une fois. Et on va améliorer ça et ça. Bien. Bien, bien, bien. Il me semble que je voulais envoyer quelques personnes déstressées. Genre Crève-Cœur et Reno. Non, Reno peut seulement aller prier. Donc Crève-Cœur et... Quincy? Ouais, Crève-Cœur et Quincy. Et Reno, tu vas aller prier un petit peu. Tu ne peux pas prier. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prier? Ah oui, tu dois avoir le truc qui te fait que tu vas seulement... Ah non, on va seulement prier, d'accord. Je pensais que la méditation, c'était dans mes mains. Non, en effet. Quelqu'un d'autre a envoyé. Ménès, que je devrais envoyer au truc, mais pour l'instant, bizarre. Ok. Ok. Bah écoutez, pour l'instant... Ah oui, c'est bien ce que je me disais aussi. Ses skills de soins sont que level 2. Ça explique pourquoi je trouvais qu'ils étaient un peu faiblards. Ça explique tout ça. Bah écoutez, du coup, ça aurait été notre premier pas dans le monde des... Dans le monde terrifiant des donjons de niveau moyen. Et je suis pas sûr d'avoir envie de recommencer l'expérience si tôt que ça.
Mais quoi qu'il en soit, ça va être assez pour l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié l'épisode, voire de vous abonner si c'est pas déjà fait pour être averti des suivantes. Et en attendant la prochaine fois, portez-vous bien.